La traversée des trois vallées béarnaises, les vallées d'Ossau, d'Aspe et du Barétous, s'apparente à un voyage initiatique et permet de découvrir trois univers à la fois semblables et différents. Ces paysages constituent l'identité forte de ce territoire. Les contraintes du relief et la rareté des sols cultivables ont imposé à l'homme l'élevage comme activité principale. Bon, nos exploitations sont composées de terres de propriété ou sinon aussi de location de terres issues d'un voisin qui est parti en retraite et qui nous a laissé ces terres. Donc ici, nous, à la ferme, on commence la saison à peu près mi-octobre, début novembre, par la mise bas des deux troupeaux. Donc il y a les agnelages des brebis qui commencent un peu plus tôt, mi-octobre, et les vaches fin octobre, début novembre. Donc jusqu'à à peu près au mois de février, tous les animaux vont mettre bas sur la ferme. On doit veiller jour et nuit pour surveiller que tout se passe bien. Arrivé mi-novembre à peu près, on va commencer à traire les brebis pour garder le lait, pour commencer la fabrication fromagère. Du moment où les animaux mettent bas, c'est-à-dire à peu près début novembre jusqu'à février, ils restent fermés dans les bâtiments, au chaud parce que dehors il fait froid et neige et qu'il n'y a pas beaucoup d'herbe. Donc on les bichonne bien. À partir de cette saison-là, on va les traire matin et soir, les brebis comme les vaches. Et arrivé début février, on va les lâcher dehors tous les jours. On va continuer à les traire matin et soir jusqu'à peu près, on va dire, jusqu'au début mai. Début mai, on va passer à monotraite, c'est-à-dire qu'on va les traire que le matin pour leur faire perdre le lait. Parce qu'ici, nous, à la ferme, au mois de juin, les brebis partent en estive, à peu près vers le 20 juin. Et elles montent à la montagne tarie, c'est-à-dire qu'on ne les traite plus. Nous bénéficions de zones intermédiaires. Ces zones, c'est des zones qui appartiennent généralement à la commune et qui nous sont mises à disposition pour, voilà, pour faire packager nos vaches et nos brebis et nos chevaux. On suit la pousse de l'herbe, en fait. Voilà. On suit la pousse de l'herbe. On commence dans ces zones intermédiaires, à peu près au mois de mai-juin, à faire packager nos bêtes. On commence par les jeunes. Ça va, c'est pas plus mal. Il y a plutôt. Ils sont durs, hein. Ça va. On a une exploitation d'environ 70 hectares qui est principalement basée sur Oloron, où c'est qu'il y a la stabulation. Puis le reste des hectares sont sur la commune de Lourdios. Du coup, on a une trentaine de juments et à peu près 80 vaches mères de race blonde d'Aquitaine. Alors ça, on estive, enfin, tout le bétail est en estive à Lourdios, vaches et chevaux. Comme ça nous permet de réaliser les stocks stock alimentaire pour l'hiver. Alors cet après-midi, on est en train de préparer, du coup, de mettre en boule
le foin pour pouvoir les stocker plus facilement dans la grange. Alors là, mon père est en train d'endainer et moi je vais arriver derrière une fois l'andain fini, pressé avec le roumballeur. Alors donc dans ces zones intermédiaires, donc l'entretien se fait de plusieurs façons. Première façon, c'est qu'on fait packager nos bêtes dans un premier temps, et dans un second temps, et on pratique l'éco-buage. L'éco-buage, c'est quoi ? C'est le fait que lorsque vous avez toute cette végétation qui a passé l'hiver, elle est toute sèche, et au mois de février-mars, on y met le feu afin de favoriser la nouvelle pousse de l'herbe tendre. Ça favorise donc le package de nos bêtes et surtout l'appétence de l'herbe. Et après, nous passons à un étage supérieur qui est l'estive. Et bien souvent, ces estives sont à une certaine altitude. Et on en bénéficie là courant de tout l'été jusqu'à voilà, fin septembre, début octobre. Quoi. Chaque estive est la propriété des communes. Et nous en bénéficions. En contrepartie, nous versons une bacade. Une bacade, c'est un montant que nous payons à la commune par rapport au nombre de vaches et par rapport au nombre de brebis ou de chevaux qu'on met là-haut. Donc nous pratiquons la transhumance depuis des générations sur l'estive du Layens. Actuellement, c'est un oncle qui s'en occupe de garder nos bêtes là-haut. Ça reste une cabane très traditionnelle avec un minimum de confort. Donc demain, c'est une journée un petit peu spéciale, c'est-à-dire que demain, c'est la transhumance. C'est la journée où du coup, toutes les brebis montent en estive. Donc demain, ce qui va se passer, c'est qu'on va démarrer à peu près à 6h du matin. On va descendre avec les brebis à pied jusqu'au village. On monte tous en camion parce qu'on doit traverser la nationale qui va en Espagne. Elle est très très fréquentée au niveau des voitures et des camions, ce qui est assez dangereux. Donc on a fait le choix depuis des années de monter en camion. C'est-à-dire qu'on on charge les brebis dans un camion, il les déchargera à la commune d'Urdos. Donc demain, on sera 3 éleveurs sur 4 à monter à la montagne. Le quatrième nous rejoindra la semaine prochaine. Du coup, on mélange les 3 troupeaux, c'est-à-dire qu'il y aura à peu près 700 brebis. Et de là, on va monter à pied jusqu'en haut de l'estive, du coup jusqu'à la cabane qui est à peu près 1800 mètres d'altitude. On est toujours un petit peu stressé le jour de la montée. On a toujours peur que tout ne se passe pas comme prévu, qu'il y ait un animal de blessé ou qu'il y ait quelque chose d'imprévu qui se passe. Une fois qu'on arrive en haut, que toutes les brebis sont arrivées à destination sans souci, qu'on fait des grillades ainsi qu'un petit apéro et un petit repas pour passer un bon moment. Demain aussi, on a l'héliportage qui va être le même jour. On va monter tout le matériel qui est nécessaire à la bergère en haut pour passer la saison. Ça part de toutes les croquettes des chiens, des blocs de sel pour les brebis, ses affaires, sa nourriture et des matelas, bouteilles de gaz et tout ce qui est nécessaire en haut. Donc nous employons une bergère tout l'été. Donc elle, son rôle, c'est de fermer les brebis toutes les nuits dans un parc électrifié. Et tous les matins, du coup, elle doit faire les soins aux brebis. Ça prend environ 1 heure à 2 heures de temps. Et la journée, elle parcourt la montagne avec les brebis.
Elle a deux border collés qui sont là pour aider à diriger le troupeau dans l'estive. Et les brebis sont gardées par trois patous. C'est des chiens de protection qui sont là pour protéger des prédateurs, des chiens errants ou des randonneurs des fois qui pourraient effrayer les brebis. Et le soir, avant que la nuit tombe, elle referme les brebis dans ce parc jusqu'au lendemain. Bon, allez. Bon courage. Bon, elle redescendait bien, ouais. À bientôt. Ouais, ciao. Alors on est là tout l'été on est ici, on est deux, et pendant trois mois, voilà, la journée est rythmée par la traite, la fabrication et le gardiennage. Il y a un qui s'occupe de faire la fabrication et l'autre qui part tous les jours accompagner les brebis sur le parcours. La vie a été facilitée depuis plusieurs années maintenant. Les communes qui ont quand même bien investi dans les cabanes pour mettre des cabanes vraiment aux normes sanitairement pour pouvoir continuer à fabriquer, à faire le fromage. Mais aussi pour pouvoir venir aussi en famille maintenant, pas mal de couples montent avec les enfants. Et les cabanes ont été bien aménagées avec l'eau, l'électricité. Et je me suis dit que voilà, c'était bête d'installer une machine à traire fixe au village et passer après pendant ici pratiquement deux mois à traire à la main. Donc du coup j'ai investi et on a fait une mobile qui nous sert aussi bien pour la montagne que la maison. Et ça a facilité beaucoup de choses aussi. C'est déjà un gain de temps et des conditions de travail qui se sont vraiment vraiment bien améliorées. Vers le 10 septembre, les brebis retournent à l'exploitation. Et mi-septembre, c'est-à-dire une semaine après qu'elles soient redescendues, là on va tondre les brebis. C'est-à-dire que nous, en fait, on les tend au mois de septembre, quand elles redescendent la montagne, parce que les brebis sont parquées toutes les nuits à peu près à 2000 mètres d'altitude. La température peut baisser jusqu'à des fois presque 0 degré, ça arrive assez souvent. Donc la laine, on leur laisse en fait sur le dos pour leur tenir chaud, quoi qu'elles n'aient pas froid. Et nous, on les redescend du coup au mois de septembre, parce qu'ici, au mois de septembre, du coup, il fait encore chaud, donc on les tend. Elles passent l'hiver dans les bâtiments jusqu'à ce qu'elles remettent bas et que tout le cycle continue. Alors cette vocation, elle est venue, je dirais, naturellement. Depuis toute petite, j'ai grandi au milieu des animaux, dans la ferme familiale. Et depuis toute petite, j'ai toujours voulu faire le métier d'agricultrice. Alors, mon cheptel, il y a 12 vaches montbéliardes, adultes. Et le cheptel de renouvellement, il y en a 8. Et ensuite, il y a un troupeau de 150 brebis basco-béarnaises et 25 agnelles. Dès que je me suis installée, j'ai voulu garder du temps pour moi et notamment pour la passion de l'équitation. Donc, des journées, je vais faire du cheval, je participe à des concours de saut d'obstacles, je dresse des chevaux. Et ça me permet de couper avec l'exploitation. Alors l'été, il y a un troupeau qui est en estive, donc celles qui n'ont pas de lait ou les jeunes, qui sont en estive à Sarans, sur une montagne d'Aran. Et les autres, elles sont dehors. En fait, on les traie, et on les traie le matin, on les met dehors et on les reste tout le temps dehors. À la limite, le travail est plus simple l'été. Sauf qu'on a le fouet, mais quand on ne fait pas du fouet, c'est un peu plus tranquille quand même. Ben, on a des tracteurs spéciaux parce qu'on est en pente, donc c'est des tracteurs qui sont spécifiques pour la pente, ou alors des tracteurs vraiment très bas, et voilà, on s'équipe par rapport au relief de nos terres. Et donc si on n'avait pas ces tracteurs là, de toute façon on ne pourrait pas faire du foin sur ces parcelles ni les entretenir. Alors l'hiver, c'est un travail qui est beaucoup plus à l'intérieur, c'est-à-dire que là, pour le coup, les vaches de début novembre à mi-mars, ben, elles sortent pas du tout. C'est-à-dire qu'elles sont dedans, donc nous on doit leur donner à manger trois fois par jour. On les traite aussi, on doit faire tout ce qui est fabrication de fromage parce qu'on fabrique quand même plus l'hiver que l'été, même si on traite toute l'année.
Donc il y a plus de travail là aussi, il faut qu'on sorte le fumier, qu'on paille, enfin, c'est un travail complètement différent de l'été. En fait, le fromage, il se fabrique depuis tout le temps, quoi. Déjà, mes grands-parents faisaient le fromage, avant sans doute aussi. Alors l'avantage de fabriquer le fromage, c'est d'avoir de la valeur ajoutée, parce que ici, on est sur des petites productions, des vaches qui ne produisent pas beaucoup, puisqu'on est en 100% herbe et foin, donc ce n'est pas des autres productrices, donc il faut tirer le meilleur du lait qu'elles... tirer le plus possible du lait qu'elle donne. Reine. Oh, doucement, doucement, doucement. Doucement. Chut. Après, il y a des tapes sur les épaules, parce que c'est là qu'on va faire les tatouages. Et c'est pour pas qu'ils aient peur. Faut qu'ils connaissent le toucher, parce que si on peut pas les approcher, on peut pas les soigner. Là. Je suis installée sur la ferme Plante Rose depuis 3 ans. J'élève 84 porcs noirs gascons avec mon mari. Donc on a acheté la ferme il y a 3 ans, mais on a des cochons seulement depuis 2 ans. Voilà, on monte tout de A à Z. Il n'y avait pas de cochons avant sur cette ferme. Donc voilà, c'est un projet tout jeune. Alors ici, on est sur le haut de la ferme. La maison et la grange principale est en bas. Et ici, il y a 4 hectares de landes, de fougeraies, de châtaigniers et de chênes. Et on a 2 parcs à cochons. Ici, c'est un premier parc avec 21 cochons. Et on a un deuxième parc un peu plus bas, là, derrière, où on met aussi 21 cochons. Ensuite, on a acheté 7 hectares de forêt, un peu plus en sortant du village, ici, en allant sur les chalets d'Issau, où là, on a un parc avec 21 cochons. Donc, c'est un peu morcelé, mais ça permet de vraiment mettre des cochons sur des parcelles qu'on avait vraiment besoin aussi. Quand on a réfléchi au projet avec mon mari sur le fait d'avoir des cochons, l'idée, c'était, dès le départ, c'était la condition, c'était de pouvoir faire, de transformer tout nous-mêmes. Ça, pour nous, ça a plus de sens. Nico voulait vraiment élaborer ses recettes, il voulait vraiment apprendre à découper, quoi, faire comme il avait envie, lui. Et moi, je ne suis pas du tout sur ces choses-là, mais par contre, je savais que pour la vente directe, bah, il n'y a pas photo, quoi, de faire ses produits soi-même. On peut donc c'est authentique et il y a une vraie garantie, en fait. Sur l'atelier cochon, il n'y a pas de différence entre les saisons. En fait, on transforme toute l'année, on transforme 6 cochons tous les mois, que ce soit donc qu'il neige, qu'il pleuve ou qu'il y ait du soleil. Voilà, nous, on transforme 6 cochons tous les mois. Et les cochons, ils sont nourris de la même manière toute l'année. La seule différence l'été, c'est qu'on a un peu plus de boulot parce qu'on fait plus de marché. Donc on a fait le choix avec mes parents, quand je me suis installé, de partir sur la vente directe pour avoir une plus-value financière ainsi qu'une plus-value humaine. Aujourd'hui, on produit tout, on transforme tout et on commercialise tous nos produits. Le fait d'avoir baissé du coup la taille du cheptel, cela nous a permis d'avoir une meilleure qualité de vie et d'avoir plus de temps pour mieux nous occuper de tous nos animaux. On s'aperçoit qu'il y a une meilleure production et les brebis vont mieux aussi au niveau de la santé. Jeunes exploitants et jeunes exploitantes prennent le relais des anciens, attirés par une vie en harmonie avec la nature, à la recherche d'une production agricole raisonnée et de qualité.